Bonjour les choupis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera un petit peu complète. Donc sur cette vidéo vous allez déjà voir en premier mon make-up. Donc j'ai utilisé quasiment tout de la marque Miss Europe, donc de la gamme C'est Tout Moi. Et puis ensuite je vais vous montrer un petit peu tous les produits et vous aurez à gagner un lot comprenant tous les produits Miss Europe donc que j'ai en ma possession, pas les miens évidemment, mais vous aurez le même lot. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à regarder le petit tuto et puis ensuite le concours.
Voilà, donc j'espère que le tutoriel vous aura plu. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que pour du make-up pas cher, c'est quand même pas mal. Donc c'est un make-up que vous pouvez trouver, je crois que vous pouvez les trouver sur les marchés et puis dans diverses boutiques comme Tati, etc. Mais également en ligne puisqu'ils ont un site. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous les produits que j'ai reçus de la marque et que vous allez également gagner. Donc je vous présente déjà les produits, comme ça ce sera fait. Donc déjà, on a le démaquillant express ici. Donc le packaging, je trouve vachement bien. On dirait un packaging pour ne pas citer de marque, Sephora. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une marque pas chère, mais vraiment les produits, voilà, ils sont vraiment très intéressants. Donc voilà. J'ai déjà pu tester et c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai cette crème pour les mains et ongles. C'est tout moi. Donc, qui sent super bon et qui est vraiment très très bien. Donc, pareil, vous l'aurez également dans le lot. De toute façon, vous aurez tout dans le lot. On a également, vous avez pu le voir dans la vidéo, une poudre 3 en 1. Et donc, il y a une poudre compacte à l'intérieur. Donc, qui correspond quand même assez à tout type de peau. Pourquoi? Parce que elle est assez transparente, donc du coup voilà, juste pour poudrer, ça suffit. Et puis nous avons une poudre bronzante et une poudre éclat. Donc vous avez derrière à quoi ça signifie, donc à quoi ça sert. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal pour celles qui débutent. On a également une terre d'été. Donc vous l'avez pas vu dans la vidéo parce que bon, je vais pas non plus mettre 3 tonnes de trucs sur la figure. Mais pour cet été, ça va être super. Donc elle est vraiment super jolie. Regardez. Je sais pas si vous allez voir les reflets qu'elle a, les paillettes qu'elle a. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà. Mais là encore sur le doigt, je trouve pas qu'on voit tellement les paillettes qu'elle a. Mais vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà. Ensuite, vous avez ce blush ici, c'est tout moi. C'est le numéro 4 Rose Corail. Et donc, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et il se présente aussi comme ceci. Donc, c'est des couleurs vraiment orangées, corail, pêche. Parfait pour cet été. Et puis, quand vous mettez un petit rouge à lèvres dans les teintes roses avec ce genre de blush, ça va super bien. Donc, voilà. Donc là, ça donne ça. Et donc je le mets à côté ici. Donc là vraiment il marque super bien. Voilà, il est magnifique, il est bien irisé. Ensuite vous avez ici un anti-cerne. Donc l'anti-cerne il se présente comme ceci. Donc je le trouve un petit peu foncé. Mais du coup ce qui fait que ça reste très discret parce que moi j'aime bien quand c'est clair pour vraiment voilà machiner le regard mais là du coup si vraiment j'ai pas envie de me maquiller beaucoup ou quoi je mets un coup de ça ça se voit pas forcément et ça fait très naturel donc voilà donc celui-ci il se présente voilà le l'anti-cerne. Ensuite vous avez pu voir aussi le mascara, donc le regard intense. J'aime beaucoup beaucoup ce mascara. Je l'ai déjà utilisé 2 fois et j'aime bien. Il fait pas trop de paquets. Il fait pas mal aux yeux. Donc moi c'est très important pour moi donc que ça fasse pas mal aux yeux. Donc voilà. Et la brosse elle est comme ceci. Donc elle n'est pas en silicone. Hein. Voilà. Ensuite, j'essaie de faire quand même assez vite. Vous avez ici un col noir, donc un col simple. Voilà, je ne vais pas vous faire le swatch, vous avez vu quand j'ai fait mon maquillage. Ensuite, nous avons, merde, j'ai mal bouché, donc un liner également, toujours de la même marque, hein, évidemment. Hop. Ensuite, vous avez ce magnifique duo de rouge à lèvres que je porte et qui est vraiment une pure tuerie. Donc, qui se présente avec ce rouge à lèvres-ci. Et avec le gloss de la même couleur. Et vraiment, je trouve que c'est super joli. Voilà. Ensuite, nous avons les fards à paupières. Donc, je vous ai montré le rose mat ici. Donc, c'est celui que je porte. Donc, qui se présente comme ceci. Ensuite, nous avons le prune. Toujours mat.
Donc, qui se présente comme ceci. Nous avons l'ombre féerique. Alors, je les trouve magnifiques, les ombres féeriques. Donc, rose. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc, elle est comme ça. Elle est vraiment trop belle. Donc, hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un rose. Voici, hop. Et puis pour finir, on a le noir ici. Donc, qui se présente aussi avec des paillettes. Et c'est trop, 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 trop beau. Voilà, donc pour les fards. Alors, est-ce que j'ai des lingettes? Je pense qu'elles sont là. Ouais, elles sont plus trop mouillées. Je m'en fous partout, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre le démaquillant tant qu'à faire. Hein. Hop. Voilà, il démaquille vraiment très très bien. Donc ensuite, nous avons un autre rouge à lèvres. Donc j'aime un peu moins le packaging, mais bon, c'est une très belle couleur. Donc il se présente comme ceci. Et donc la couleur est... comme ça, voilà, elle est vraiment très jolie, donc c'est une belle couleur pêche, voilà, donc, et au niveau du swatch, ça donne ceci, je sais pas si vous allez bien voir, donc voilà, très joli, une très très belle couleur, qui peut se porter tous les jours avec n'importe quel make-up, parce que c'est quand même vachement discret, voilà, et puis nous avons un soin pour les ongles. Donc ici, donc une huile pour nourrir vos ongles. Voilà. Et puis, un magnifique vernis. Donc, qui est celui-ci. Donc, je ne l'ai pas encore testé parce que j'en ai déjà un de rouge ou vert. Donc, voilà. Et puis, je ne l'ai pas testé. Mais, j'ai testé celui-ci. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Celui-ci, c'est un rouge avec des paillettes dorées. Donc que j'ai depuis un moment et que j'ai déjà porté plusieurs fois. Et vraiment, il est magnifique. Et la tenue est impec. Donc voilà. Donc vous avez à gagner tout ça comme lot. Donc c'est vraiment super lot quoi. Vraiment, il y a... et j'ai pas tout mis. Donc il y a aussi le baume à lèvres framboise. Donc ici. Qui est pareil, une petite série. Et puis le jumbo que j'ai porté aussi en début de vidéo. Que je vous ai pas montré. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 produits. Donc c'est quand même pas mal. Donc là ça peut faire aussi, comment dire, pour une débutante qui n'a pas beaucoup de maquillage. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Ou même pour une pas pro, mais une passionnée qui aime aussi, comme moi, le maquillage et qui aimerait tester. Je pense que c'est aussi pas mal, donc voilà. Les conditions pour jouer au concours, je m'excuse parce que la vidéo est un peu longue. C'est tout simplement d'être abonné à ma chaîne, de me suivre si vous le souhaitez sur les réseaux. Alors, je ne sais pas s'ils ont une page Facebook, mais s'il y a la page... vous aurez les liens en barre d'infos, de toute façon tous les liens et les conditions seront répertoriés encore une fois en barre d'infos. Donc il faudra aimer leur page. Et puis, donc pour la question, on va parler un petit peu des produits du coup. Je vous invite à aller sur leur site en fait et à me dire qu'est-ce qui vous tenterait le plus sur le site. Donc voilà, tout simplement. Après, si vous souhaitez partager, ce sera super sympa. Si vous ne voulez pas partager, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis vous aurez un mois à peu près pour jouer. Tout simplement, je pense que voilà. Il suffit d'avoir 18 ans ou l'accord parental. Et ensuite, il faudra... qu'est-ce que je vais dire, habiter en France aussi. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que ce concours vous fera plaisir. Donc c'est pour fêter aussi les 2000 abonnés et des poussières qui sont arrivées. Puisque je n'avais pas fait ce concours tout simplement parce que ça approchait aussi de l'anniversaire. Donc je me suis dit je le ferai un peu plus tard. Et donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.